السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقشية اليوم رانا 20/4/2013. بهذه الوسيلة وهذا التسجيل المصورة والمسموعة يعني نويت نزيد نعاود نسجل هذا الكلام المصور. موضوع المرة هذه يعني هم خاصة الجزائر وطني. المادة يعني مشعبة. نبدأ بهذا المقدمة. بعض الجهات الأصولية تدعي تستطع يعني خلال 6 شهور لما يعني تشد القبض على شخص مدة 6 شهور وهي تغسله في مخه. 6 شهور تكفي باش تمحي وتلغي كل شيء اللي كسبه هذا الإنسان مدة 20 سنة في حياته ولا 30 سنة ولا 40 سنة من تربية وتكوين من ثقافة ودين من أخلاق ومبادئ والتزام. إذن 6 شهور يكفي لهذا المجرمين باش ينظفوا له مخه ويقلبوه كما حبوا يرجع. وأيضا كيف المال وخيال وأحلام وطموح السلطة وأمال كسب يعني منصب في السلطة وأيضا احتكاك ببعض الشخصيات العالمية على طريق اجتماعات نتاع الخيانة. لقيت أول وزير الإنجليزي داود كاميرون ولا حتى ثاني كذلك الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولا هذاك المخزي نيكولا ساركوزي المخلوع ولا الوزارة وزارة الخارجية سواء ألان جيبي ولا ساركوزي ولا وهكذا بعض الناس يعني اللي خانوا الوطن نتاعهم لما يجتمعوا بهذه الشخصيات يعتبروا انفسهم بعد شخصيات وهما بيوعة قومية حركية خماج بن خماج. حبوا يتكلمونا على الديمقراطية ولكن في الحقيقة هذا الناس هذو اللي راهم في الخارج ما قاعدين إلا يبرهنوا سيادهم طاعتهم التامة لهم سمعا وطاعا لهم. لهذا الناس اللي بيعولها وقلبوها هي يعني الجهة اللي يعبدوها ولكن في الحقيقة قاعدين يستعملوا شيء اللي عادي بالنسبة للمجتمعات نتاعنا هي السمع والطاعة لأبينا وأمتنا السمع والطاعة لمعلمينا
مدرسينا السمع والطاعة للناس الكبار اللي عندهم تجربة في الحياة، السمع والطاعة للناس اللي داروا فينا الخير في وقت الشدة. هذه يعني أمور عادية بالنسبة لمجتمعاتنا، وهذا الناس المجرمين مستعملين هذا الجانب الأخلاقي نتاعنا، يعني السمع والطاعة. ولما الإنسان بمثال يكسب شيخ من هذا الإرهاب ويغسل له مخه، يصبح هذا الإنسان يعني السمع والطاعة لهذا المجرم، ولما يقول له روح اقتل يروح يقتل. طيب نرجع الموضوع يوك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعد، إذن nous sommes en face à une guerre, à une véritable guerre psychologique qui vise notre stabilité en tant qu'État, l'État algérien. Il nous faut revenir à nos esprits, et en même temps que je demande à nos gens de revenir à nos esprits, à nos DZ de revenir à leur esprit, à notre peuple de revenir à son esprit, il y a en même temps une horde d'agitateurs terroristes qu'il ne faut pas négliger et qui travaille avec un financement selon un agenda défini par le nouveau ordre mondial de l'Empire américain, exécuté dans sa partie moyen-orientale et nord-africaine par leurs hommes de paille, leurs laquais sur place, que sont la famille Ibn Saoud et toute sa progéniture dégénérée, ainsi que les Qataris laquais du Mossad, déjà en place en Égypte, déjà en place en Libye, déjà en place en Tunisie, et maintenant ouvertement, ils veulent s'implanter en Algérie, au Maroc, et ainsi de suite. Il nous faut discuter avec ceux qui ont un concept, des idées claires, avec ceux qui veulent le bien pour cette nation algérienne, avec tous ceux qui aiment les gens, le peuple. Mais pour moi personnellement, après avoir regardé toute une série d'interventions par le moyen de YouTube et de ses réseaux sociaux, Internet, YouTube, etc., cet ex-ambassadeur d'Algérie à Tripoli, en Libye, M. Larbi Zetout, alors qu'il ne fut qu'un simple attaché d'ambassade chargé de la caisse pour les dépenses courantes de cette représentation diplomatique. Caisse qu'il prit avec lui lors de sa fuite de à Londres. Du docteur en physique expérimentale, M. Mourad Dina, qui depuis belle lurette n'a plus à voir avec la physique nucléaire, mais avec le front islamique. Je dirais à la place d'islamique, islamiste. Cela est plus correct d'un point de vue sémantique. Donc, le fils, le front islamiste du salut. Du salut de qui, en fait? Je continue de parler de M. Benchennouf, fils d'un ex-Bachaga au service de l'Algérie française, et toujours lui-même dans la même perspective. Je veux parler également de M. Abdelhakim Haroun, un ex-DRS, c'est-à-dire agent des services secrets algériens, mais ayant fait défection et maintenant docteur en propagande mensongère contre le personnage de son excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, démocratique et populaire. De M. Ahmed Chouchène, ex-officier de l'ANP, qui, dit-il, était formateur de commando à l'Académie militaire de Cherchel, ex-formateur de commando à l'Académie militaire de Cherchel,
et qui aujourd'hui dénigre toute action militaire contre le terrorisme en Algérie. En exemple, ce que ce commando algérien a réalisé de miracle en éliminant ce terrorisme qui voulait prendre cette base gazière à Ain Amenas et qui a évité finalement à l'Algérie d'être manipulé durant des mois si ces terroristes avaient réussi leur coup. Tous ces personnages que je viens de citer sont munis de titres académiques pour faire d'eux des gens crédibles, alors qu'ils ne sont que des vauriens. Et par là, je n'ai pas besoin de nouvelles preuves pour être convaincu de leur trahison pour leur patrie. Et là, j'exprime ma conviction. J'accuse de traître tous ceux qui reçoivent des moyens financiers de puissances étrangères, tels que cet observatoire des droits humains du département d'État des affaires étrangères des USA, d'Amnesty International, de George Soros, du ministère des Affaires étrangères hollandaise, du ministère de l'Intérieur suisse, des hommes d'affaires qatari, ou de cette ONG El Karama, dirigée pour sa partie algérienne des droits de l'homme par ce même Mourad Dina, alors que Karama est un organisme finalement qui s'occupe d'observer l'ensemble du monde arabe pour faire des rapports au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le Conseil finalement des droits de l'homme de cette institution internationale, en vue de lister chaque pays dans son respect des droits de l'homme, et si un pays dépasse les limites du respect du droit de l'homme, eh bien, il y a un Conseil de sécurité qui se réunit contre son pays pour décider de résolutions qui peuvent mener jusqu'au chapitre 7 et donc intervention. Et les preuves existent donc de leur traîtrise pour ceux qui veulent vérifier ce qui est dit. Et je ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais il y a des lois, un code qui doit être appliqué. Toutes les lois dans le monde entier stipulent la même chose pour chaque pays. Tous ceux qui trahissent leur patrie, qui est un crime grave, qui s'adresse aux services de renseignement étrangers, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suisse, de Hollande, de Suède, de Hollande, de Turquie, du Qatar, directement ou indirectement à l'entité sioniste du Royaume saoudien, et donc il ne reste plus de place à considérer pour ces gens-là, qui se disent opposition. Opposition est un leitmotiv répété à travers des enregistrements YouTube, qui les prennent pour une sorte d'alternative au pouvoir actuel en Algérie. C'est une tromperie insupportable, puisque depuis des années que nous tentons d'établir quelques passerelles pour pouvoir dialoguer ensemble, pour nous confronter, rien ne vint changer la donne. Au contraire, lorsque le côté caché de ce mouvement Rachet est mis à jour par certains youtubeurs intelligents, ce mouvement s'empresse de se plaindre à l'administration de YouTube pour demander à ce que ce youtubeur soit fermé, comme si la liberté d'expression est une menace pour eux, un arrêt de mort pour leur mouvement. Ainsi, alors que nous n'avions pas cessé de clamer que ce mouvement Rachet et celui du 8 mai et cette ONG ne sont qu'un projet impérialiste de détruire l'Algérie pour l'empêcher de se construire en État-nation. Cette culture nous venant de ces gens est malpropre, et l'effort pour la neutraliser n'est pas seulement de la responsabilité de l'État algérien, mais également de nous tous, et donc il est du devoir de l'État algérien, des tribunaux algériens, des services concernés, à poursuivre ces traîtres au nom du peuple algérien, provoquer des manifestations artificielles comme à Ourgla et à Rafdaïa, les transformer en protestations violentes
distribuer des bouteilles remplies de produits inflammables à des enfants pas plus âgés de 14 ans, pour qu'ils les jettent et pour enflammer des propriétés privées ou des propriétés publiques, là où ils veulent, qu'ils mettent le feu, leur faire jeter des pierres sur les têtes des gens, obliger les services d'ordre à réagir violemment, ou à prendre des coups sur soi et ne pas les donner, causer des blessures et peut-être des morts, et faire porter la responsabilité aux autorités algériennes, qui sont obligées d'en être responsables, sans des manœuvres insurrectionnelles, même sans armes, qui visent à déstabiliser l'Algérie en tant que puissance régionale, qui a un rôle à jouer dans cette région, qui lui vient de sa position géographique et de son histoire révolutionnaire, qui a influé sur tout le continent africain et même dans le monde arabe et dans le monde en général. Donc, répétons les choses, devant ce qui se passe globalement dans les différentes sociétés des pays arabes et particulièrement chez celles où malheureusement les ravages causés par ce qu'ils ont appelé printemps arabe, la remarque saillante, lorsque, dans un milieu social, le voisin perd la confiance qu'il avait de son voisin, lorsque cette coexistence entre les citoyens est tuée, lorsque l'ami perd confiance de son ami, il y a un risque de détruire le tissu social. C'est le danger auquel nous risquons d'y faire face. C'est triste et endeuillant. Et lorsque l'on entend les aveux de certains criminels, de certains terroristes qui ont été pris lors d'opérations criminelles qu'ils exécutaient ça et là dans le pays et qui découvrent par leurs aveux que ceux qui étaient cachés et maintenant dévoilés devant l'opinion publique, ce qui est comploté et ce qui a été planifié contre notre pays et pourquoi il a été comploté. Les exécuteurs sur le terrain durant les années sanglantes entre 1992 et 2002, et même sporadiquement au-delà de 2002, s'exprimant à travers les moyens de diffusion mis à leur disposition, ou ceux parmi eux arrêtés lors de combats contre les forces armées algériennes. Le dénominateur commun qui les caractérise, c'est que tous ont subi un lavage de cerveau, aucune faculté de penser d'eux-mêmes. En deuxième lieu, la vue et le regard. Ils ne sont pas capables de voir quoi que ce soit du contexte géopolitique, géostratégique, dominant le monde. Et ces mouvements takfiristes, y compris les frères musulmans, qui sont les dessous cachés du front islamique du salut, ou islamiste du salut. Pour eux, il n'y a aucune différence, alors qu'il y a une différence dans la sémantique. Le principe pour leurs adhérents est ce qu'ils appellent l'obéissance à l'ordre donné et son exécution sans discussion. Ainsi, l'ordre donné depuis Genève par le fils de continuer le combat dans le maquis algérien. Ses auteurs sont Abbas el-Madani et Mourad Dina. Ce qui a prolongé les attentats et les destructions, les pertes humaines et les biens publics et privés détruits. Chacun de nous, de nos sociétés, nous avons été élevés dans l'obéissance à nos parents. Et de montrer rien que cela devant eux, mère, père, ainsi qu'aux plus âgés. Et là, il y a des principes, de l'éthique, nous respectons l'instituteur qui nous a formés, le professeur qui nous a formés, celui qui a été bienfaisant pour nous, qui a été généreux au moment difficile. Ce sont des données sociologiques qui étaient et qui sont en partie égratignées par ces agissements takfiristes, mais qui doivent en fait demeurer. Nous avons un gouvernement, une autorité, une souveraineté, à qui l'on doit obéir, et c'est impératif. Il est donc durant
cette étape de ce qui est appelé le printemps arabe, que nous devions plutôt nommer la grande catastrophe pour les Arabes, que nous observons de l'Atlantique jusqu'au Golfe arabique, et qui a détruit les richesses de ces pays, leur culture, il est nécessaire de tirer une conclusion générale dans le monde arabe. Et ceux qui se présentent comme opposants, sont-ils des personnalités qui ont un projet en soi? Ils ne sont que des personnes sans personnalité, soumis, laquais, vils, sans pensée propre, sans vision, aliénés, incapables de demander à l'un d'eux de ce qu'ils voudraient. Si moi je ne suis pas d'accord avec toi en politique, et donc qu'est-ce que vous souhaiterez obtenir, lui demandai-je. En fait, ils ne sont que des moyens, des outils utilisés par des puissances étrangères, des milieux différents. Lorsqu'ils sont encore dans ces maquis, eux-mêmes utilisent ces mêmes puissances étrangères. Et donc notre combat, notre lutte, se place au niveau intellectuel, culturel, cultuel. Du fait de leurs crimes, ils doivent subir le droit pénal, les poursuites judiciaires, les demandes d'extradition lorsqu'ils sont à l'étranger. Selon le droit national qui annonce que le meurtre prémédité sera condamné par la peine de mort, cela est la justice, mais combien de familles qui ont été exposées à de tels crimes, à de tels actes insensés, combien d'orphelins, de paralysés, toutes ces destructions de biens publics et privés, l'attaque de l'Académie militaire de Cherchell lors des événements sanglants en Libye. Tout le monde s'en souvient, celle de Aïn Amenas également. Il y a eu des morts, soldats, officiers algériens à Cherchell, des morts civils algériens, des morts d'invités travaillant chez nous. Qui doit porter la responsabilité? Et lorsqu'il faut discuter sur les perspectives politiques, je n'accepte pas le terme d'opposition à l'étranger. Et devant tous les Algériens, en toute franchise, en tant qu'Algérien, je demande au gouvernement algérien d'activer les services concernés, de poursuivre ces incitateurs aux troubles, aux destructions, à la désobéissance sociale par ceux qui se font appeler le mouvement Rachid et son administration et ses hommes de proue, le mouvement du 8 mai, sa figure de proue et ses liens avec Canvas, Haute-Port. Tous deux financés par des officines étrangères, aussi bien la CIA que le MI6, que les services de sécurité suisses, que les services de sécurité hollandaises, que les services de sécurité allemands, le BND, que les services secrets suédois, le CEPO, que les services secrets étrangers du Qatari, saoudien. Par la confrérie des frères musulmans, par les donateurs privés du Golfe arabe. Ces gens-là sont en pleine action d'une trahison sans précédent contre leur patrie. Si elles restent encore dans leur entendement comme leur patrie, s'ils ne sont pas déjà apatrides, et donc leur poursuite judiciaire et leur condamnation même par contumace pour crime de haute trahison contre l'État algérien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.